Bonjour ou bonsoir, mes Sagittaires, ça dépend à quelle heure vous me regardez, c'est Nati, j'espère que vous allez bien, mes Sagittaires. Alors, on va regarder un petit peu, mes Sagittaires, ce que j'ai pour vous. On va regarder, je tenais à vous remercier, mes Sagittaires, pour... d'être aussi attentionné pour vos likes, vos commentaires, même ceux qui marquent un merci. Moi, ça me touche vraiment, ou une petite fleur, ou j'en sais rien. Vraiment, merci. Merci pour vos abonnements aussi, hein. Pour ceux qui se sont abonnés, ceux qui sont déjà abonnés. Vos vues, de me suivre. N'oubliez pas la petite cloche qu'il faut actionner. Et on va regarder ce que j'ai. Merci pour tout. Voilà, la chaîne grandit grâce à vous, mes chers amis. Je suis heureuse. Mais on va regarder ce qui se passe pour vous. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Je vais faire comme ça. On démarre. Hein. C'est une générale. Prenez que ce qui vous parle, s'il vous plaît. Le monde vous appartient. D'accord? Le monde vous appartient. Bon travail, joie, contentement et gratitude. La voie menant à l'élimination, vous allez travailler dur pour obtenir quelque chose. Vous avez été dans le don de vous-même, hein, d'accord? Le 2 de feu. On s'est dépassé, surpassé, hein. Donc on vous dit ici bon travail, joie, contentement et gratitude, la voie menant à l'illumination, mes chers amis. C'est le monde, c'est on va clôturer un cycle, hein, d'accord, on va clôturer un cycle difficile, pas évident, de longues années, de longs mois ou semaines, hein, vous de voir, hein, mais ça peut être de l'ordre de 3 ans, 6 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 15 ans. Ça peut être l'ordre de 2 ans, peu importe. Ça peut être en semaine aussi, si ce n'est pas en année pour certains de vous. Vous avez trouvé votre voie. Si vous ne l'avez pas trouvée, vous allez la trouver. De nouveaux partenariats ou contrats. Ou contrat se profile à l'horizon. Continuez à aller de l'avant. Continuez à chercher. Ne lâchez pas prise. D'accord? Reprenez votre force. Et là, il y a le feu ici. Hein. Vous êtes élément feu. Donc, en fait, mes Sagittaires, ici, on quitte, on clôture un cycle. Et il y a une nouvelle ère. Il y a un nouveau cycle hein, qui s'ouvre à vous. C'est la dernière marche avant de monter sur le podium. C'est, on va être fiers de nous, hein, d'accord? C'est pas évident, hein, ça c'est sûr. Hein. C'est pas évident, je vous l'accorde. Mais vous êtes le magicien ou la magicienne. Vous êtes prêt et prête. Vous avez toutes les ressources ou la capacité de les manifester. La vie est magique. Vous allez trouver la vie magique. Après ce cycle laborieux, difficile, après on est tombé, on s'est redressé, je ne sais pas combien de fois, puis on est retombé, on s'est redressé. Vous allez vers un changement, vers la nouveauté, d'accord? Vous allez, mes chéris, vers un nouveau horizon. Vous allez vers la vie. La vie, vous allez la trouver magique. Ça faisait longtemps que vous n'avez pas trouvé la vie magique. Vous allez vers la joie, d'accord? Et ne doutez pas, s'il vous plaît. Lui, là, il est en train de déployer ses ailes, il va s'envoler. Hein. C'est terminé. Hein. Ne doutez pas, hein, d'accord? Après, on vous dit aussi que vous êtes prêt et prête. Hein. N'oubliez pas que vous avez toutes les ressources et capacités hein, de manifester ce que vous voulez. Hein. Le monde, c'est l'abondance.
Le monde, c'est la plénitude. Le monde, c'est la victoire, le succès. C'est la réussite, mes chéris, hein, d'accord? Le 3, c'est le bonheur, la joie, la réussite, encore une fois. C'est aussi, vous allez plus tard, peut-être pas tout de suite, mais vers une nouvelle amitié, vers un nouvel amour aussi, hein, vers un nouveau travail, un nouveau lieu de vie, expatriation, ce que vous voulez, parce que ici, il y a des contrats, il y a des documents importants, ça peut être des papiers, un visa. Parce que certains pays, ça se passe comme ça. Ça peut être des documents très importants. On parle de signature, d'engagement, de se mettre d'accord, de nouveaux horizons. Hein, d'accord? 10 de terre, rien que ça, s'il vous plaît. Une vie familiale heureuse. On va vers ça. On va vers la sécurité financière. On va percevoir la magie se profilant derrière des petites choses de la vie. On parle de la vie, de magie, encore une fois. Donc, vraiment, c'est tout ce que je vous le souhaite être. Enfin, c'est tout de tout mon cœur ce que je vous souhaite. C'est tout ça. Et c'est ce qui va se passer pour beaucoup, beaucoup de vous. Donc, ça a été dur, ça a été usant. Exténué, vous êtes exténué, fatigué. On ferme ce cycle-là, hein, d'accord? On le ferme. On a pris des coups là, façon de parler, vous voyez? Mais on a pris des coups, on a morflé, vous voyez? Vous êtes un joyau, vous allez vers la renaissance, vous allez vers l'ouverture, hein, d'accord? Vous avez été entravé, d'accord? Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. On peut sortir de cette tour en haut des nuages, là, comme ça, dans le brouillard, là. On a été entravé. Hein. Peut-être 8 ans, 7 ans, peut-être plus, 10 ans, 17 ans. À vous de voir. Peut-être c'est des mois ou des semaines aussi, je vous répète, ou je vois longtemps. Et on a cru aussi qu'on était entravé. Et là, on va vers l'action, hein, d'accord? On va démêler cette pelote de fil de coton, hein, pour moi. Peu importe. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. S'ouvrir à l'amour, mes chéris, et non au jugement. Transforme tout. Même si on vous juge, restez dans l'amour. Ne devenez pas comme eux et elles. D'accord? Vous êtes un joyau. Vous allez briller. D'accord? C'est le moment de libérer votre joyau intérieur et de briller. D'accord? On y est presque là pour certains. Pour d'autres, peut-être maintenant, là, en ce moment, ça se joue. Et d'autres, ça va se jouer prochainement. Donc là, moi, je vous fais juin, mais ça peut être justement juin, juillet, ça peut être, hein. 7 et 1, 8, ça peut être août. D'accord? Mais je vous fais juin. Mais ça peut être un peu après. Le 10, peut-être 10 ans, vous voyez? Donc à vous de voir, hein. Puis vous avez des ouvertures ici. Oh, qu'est-ce qu'elle fait là, cette carte? J'ai pas fait exprès, elle a rien à voir. Regardez, elle est bleue. C'est tout à l'heure quand je l'ai ramassée. J'ai une commande là avant vous. Une commande de vidéo. Hein. Parce que soit vous m'avez en consultation téléphonique, soit vous pouvez commander des vidéos sous 42 heures, 72 heures, 48 heures, excusez-moi, 72 heures si je suis trop occupée, trop sollicitée. J'avais le triomphe. Vous allez triompher, mes chéris. Alors, regardez ce chevalier de feu, élément feu. Vous êtes élément feu. On vous dit, un événement soudain sollicite toute votre attention. Le temps presse. Mais, c'est parce que ça vient soudainement. Mais, réfléchissez attentivement. Pas n'importe comment. Pas de précipitation, s'il vous plaît. Je pense que vous aurez des choix à faire.
Je pense que il faut un choix qui vous va, un choix de cœur qui vous convienne et que vous soyez en accord. D'accord? Peu importe ce que c'est. Est-ce que c'est par rapport à une personne? Est-ce que c'est par rapport à une situation? D'accord? Un endroit, un lieu, peu importe. Vous êtes le chevalier de feu. Chevalier de feu, lui, il a la passion. Il a le feu sacré. Il est aventurieux. Aventureux, pardon. Il est confiant, d'accord? Il est agité parce qu'il a envie d'y aller, hein, d'accord? Mais il se retient parce que, bon, il ne veut pas faire n'importe quoi et puis on ne peut pas faire n'importe quoi. Peut-être que vous êtes retenu, d'accord? Retenu. Certains, par exemple, vous êtes retenu par un préavis, par exemple, mais il doit se faire. Pour d'autres, peut-être on est retenu par des liens, voyez? Et donc, c'est emmêlé. Et vous êtes dedans. Donc, elle va se démêler. On va sortir ce joyau qui est dedans. D'accord? Et vous allez dans l'action. Hein? C'est la fin. Et c'est quand même la lune. Donc, je vais le dire avant. La lune, fiez-vous à votre intuition. D'accord? La lune, c'est la fluidité, l'argent aussi. Hein. La lune, c'est, elle éclaircit, mais pas suffisamment. Donc, en fait, les choses ne sont pas encore claires. Vous voyez ce que je veux dire? C'est nébuleux encore. Hein. Mais ça va être de plus en plus clair. Hein. Et c'est les ressentis, les émotions. Hein. Peut-être on vous a mis à vif. Peut-être que vous êtes à vif. Peut-être qu'on vous a trifouillé, que. Hein, d'accord? Mais on vous dit perspective psychique importante. Fiez-vous à votre intuition, vous êtes des fins psychologues. Des événements ont lieu en coulisses pour vous, dans le monde des invisibles, dans l'univers, l'univers ce qui prépare pour vous, hein, d'accord? Ce qui se trame, ce qui se prépare pour vous, c'est en coulisses que ça a lieu. Donc c'est étranger à vous. D'accord? Vous ne le savez pas. Affranchissez-vous également de vos peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Lui, je vous ai dit, c'est envolé. Il va s'envoler. Ça y est, regardez, il a déployé ses ailes. Regardez-le. Regardez-le comme il a déployé ses ailes. Il va s'envoler, comme vous. D'accord? Vous avez besoin de repos. Certains de vous vous a mis à terre. Et pas qu'une fois. Hein. Vous avez été trop bon, qu'on vous dit. Loyal, dévoué, honorable, bon. Maintenant, on vous dit ça. Le temps est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir, vous. Qu'est-ce que vous désirez? Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez rester dans ce mauvais cycle-là qui a été dur et que ça sera d'apprentissage, hein? Attention, hein? Même des situations négatives, on apprend, hein? Est-ce que vous voulez encore vous prendre des coups, des claques, ou vous me sortez et vous allez démarrer une nouvelle ère, un nouveau cycle? Le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements. Un ange gardien est là pour vous protéger. D'accord? Et vous êtes le roi de bâton. Vous êtes le roi de feu. D'accord? Le roi de feu. L'équilibre va revenir, mes chouchous d'amour. Hein, d'accord? Vous avez besoin de repos. De repos psychologiquement, mais physiquement également. On vous a mis à terre, mais vous allez vous redresser. L'heure est venue de vous reposer ou prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir plus clair. Bah oui, cette lune que je vous disais. Concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. 3 fois qu'ils vous le disent. Hein. C'est pas moi. Communiquez votre vision, agissez comme un leadership que vous êtes d'ailleurs, hein, d'accord? Ce magicien-là, hein, ce battleur, hein.
Vous serez conseillé par une personne créative ou une personne qui peut vous prodiguer les conseils, hein, d'accord? C'est une personne qui est experte, hein, en la matière, hein. Vous allez, 4 et 1, 5, vous allez vers le changement. D'abord, vous allez vous reposer, l'équilibre, et après le changement. Vous démarrez quelque chose de nouveau, vous quittez quelque chose, hein, qui vous a entravé, hein, ne l'oubliez pas, hein, d'accord? Qui vous a entravé. Vous allez vers une. C'est comme si vous faisiez table rase et que vous me démarrez une nouvelle vie. Quelque chose de nouveau, totalement. Donc là, ici, il y a des dons aussi, hein, de voyance, médiumnité, thérapeute, psychologue, d'accord? Allez, laissez-vous pas manipuler par les autres, par là, il est plus grand et plus petit. Et c'est vous qui êtes grand. Donc, et des petits peuvent faire de grandes choses dans la vie, d'accord? Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles non plus. Stop aux pensées négatives. Stop à cet ego. Stop à cette petite voix qui vous parle dans votre cerveau. T'es nul, t'es incapable, t'y arriveras pas, t'es dans la mouise. Si tu fais ci, si tu fais ça, parce que t'as pris cette décision-là, nanana, nanana. Vous vous limitez, d'accord? Vous vous sabrez, ok? Donc stop. Et avec la lune, attention à vos émotions. Arrêtez, parce que là-dedans, à l'intérieur, je vous dis pas les coups que ça prend, hein, à l'intérieur. Ça s'use. Vous êtes en train de vous user de l'intérieur, d'accord? Donc même si vous mettez du maquillage, des choses comme ça. Ou que vous me faites la banane, ça va pas. De l'intérieur, le plexus, le cœur, le cerveau, et même les chakras, je dirais, hein, mais le cœur, le cerveau, le plexus, c'est entre la poitrine, le sternum pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas grave. On apprend tous les jours, mes amis, moi-même, y compris. Mais le plexus, c'est une porte. Si elle est trop ouverte, vous vous prenez tout. D'accord? En pleine figure. Vous prenez tout. Et là, vous avez cette boule-là, que vous voyez, cette boule qu'on dit, ah, j'ai une boule à l'intérieur, je vais pas bien. Je vais pas bien, j'ai une mauvaise sensation, je vais pas bien. C'est les émotions. C'est la porte, pas des étoiles, des émotions, là. D'accord, mes chéris? La force, conviction, allez, on reprend là, la foi, on reprend. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Mais bien sûr, vous avez la clé de la liberté, la clé d'une nouvelle voiture. Peut-être l'autre, elle était malheureusement... cassé ou en panne ou une épave ou j'en sais rien moi ce que c'était la clé de la maison, la clé de l'appartement. Quand je dis appartement, c'est achat-vente de biens immobiliers, mais location aussi, hein. Tout le monde ne peut pas s'acheter une maison ou un appartement. Après, je vous le souhaite, mais n'oubliez pas la location. Location, hein, d'accord? Vous allez trouver tout ça. La gratitude. N'oubliez pas être en gratitude, mais vous, en général, vous l'êtes. Hein. Vous, c'est pas le genre à oublier. Si vous oubliez, vous dites, oh mon Dieu, ah, oh, je m'excuse, j'ai oublié. Vite, 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 je fais une prière, je suis en gratitude, je remercie, je médite et je remercie. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Dieu vous aime. L'univers vous aime. Le Créateur vous aime. Le pont du futur. Moi, je vous aime. Je vous envoie de l'amour inconditionnel. Je vous envoie plein de belles vibrations et puissantes. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. À l'ardeur. Vous imaginez l'ardeur.
De l'ardeur. C'est comme si je vous disais de la braise, le feu, l'ardeur. Voyez, intensément. Voyez ce que je veux dire? Elle aura tendance à devenir réalité. Allez, on y croit. On dirait que vous y croyez plus. Vous voyez ce que je veux dire? On reprend du poil de la bête sa souveraineté, sa place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouverez un profond sentiment de paix intérieure. Vous allez aller vers la paix, mes chéris. Hein. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Il y a un chaos, il y a quelque chose comme ça. Voilà, quel est le chakra qui ne va pas ou les chakras qui sont mal alignés, qui sont touchés, impactés? Hein? Donc, ça va aller. Restez dans l'amour, mes chéris. Même si eux sont vilains avec vous, méchants, médisants, d'accord? Restez dans la bienveillance, dans l'amour. Restez en accord avec vos paroles, avec vous-même. Vous savez, Toltec, les quatre accords Toltec, c'est le fameux, la parole parfaite, quoi. Divine, quoi. Vos valeurs profondes. L'énergie circule librement. Vous allez vers des valeurs, vous partez quelque part où ça vous ressemble davantage, où c'est vos valeurs, vous voyez? Et vous me clôturez. Un cycle où on était entravé, qu'on vous dit, hein, d'accord? Mais non, mais c'est terminé, plus rien vous entravera, hein, d'accord? Il y a des jaloux, hein. Il y a des jaloux qui, mais à l'envers. Il y a des jaloux qui ne veulent pas que vous réussissiez et que vous accédiez à un niveau supérieur, que vous réussissiez, que vous évoluez. Mais non, c'est pas pour vous l'échec. Vous allez réussir, d'accord? Donc lâchez rien. Allez. Il y a un rêve qui se réalise. Vous allez trouver la paix. Vous allez vous dire, ouais, c'est un cauchemar, mais non, c'est un rêve. C'est un rêve qui se réalise. Vous allez trouver la paix, la tranquillité. Vous allez vers ça, vous allez vers l'abondance. Regardez-moi ce soleil tout fleuri. En vérité, vous allez vers la zen attitude. Il y a un voyage. On parle d'un voyage ici, hein, d'accord? On parle de déplacement, de déménagement, hein, d'accord? On parle d'un enfant, peut-être un enfant qui part de la maison, ça pourrait être ça, ou en vacances. Peut-être c'est vous qui partez en vacances alors, soit vous allez dans un lieu de vacances que vous connaissez et que ça va vous faire du bien, soit vous allez en vacances et que ça va vous faire du bien, mais c'est le bonheur, c'est la joie. Et si vous déménagez, c'est le bonheur et la joie. Hein. Vous allez vers plus de tranquillité, de sérénité, de zen attitude, vers des valeurs, c'était écrit. Vos valeurs à vous. Ce qui vous ressemble vraiment, davantage, vraiment. Peut-être qu'il y a un verdict aussi ici. Hein. Ici, vous vous renfermez par rapport à ce verdict. Vous êtes en attente. Pour moi, hein, vous êtes en attente, vous n'allez pas bien. Parce que, en fait, c'est comme s'il fallait ramer, ramer, ramer pour obtenir quelque chose et que ça fait des années ou des mois ou des semaines, je répète. Et vous vous dites, vous n'allez pas bien. Certains, ils ne sont pas gentils avec vous. Vous ne laissez pas faire, mes Sagittaires. Non. Mais par contre, il y a un verdict qui vous met mal. Et quand vous aurez vers ce verdict, un verdict, ça peut être la justice, d'accord? Mais ça peut être le verdict, la réponse, vous comprenez? Donc peut-être la réponse par rapport à un entretien, par rapport, par exemple, par rapport à un appartement, par rapport à ce que vous voulez, c'est à vous de l'adapter.
Et c'est ça qui vous met mal, hein, d'accord? C'est cette réponse. Pour d'autres, on me dit peut-être que vous êtes trop dur. Encore une fois, vous êtes dans le négatif ici. Hein. Parce que j'aime bien, les gens, ils disent toujours, ah, les Sagittaires sont positifs, sont très optimistes et tout. Vous l'êtes, mais vous êtes, on oublie que vous êtes des êtres humains. Vous êtes des êtres humains, d'accord? N'oubliez pas, vous n'êtes pas des robots, vous n'êtes pas des machines. Et donc, à vous aussi, ça vous arrive des burn-out, ça vous arrive des dépressions nerveuses, des choses, des couacs dans votre vie et tout ça. Eh oui. Eh oui. Et ça, les gens oublient, vous voyez. Bien gentil de dire, oui, c'est vrai, vous êtes optimiste, c'est vrai. Vous redressez aussi dès que vous l'avez décidé. Mais vous faites beaucoup, beaucoup de mal intérieur. Vous mettre de la distance avec ça, hein, d'accord? Faites-vous aider. Hein. Faites-vous aider. Moi, je suis là, guérisseuse, c'est pas pour rien. C'est héréditaire, vous le savez, certains de vous. Il y a un travail à faire sur soi-même, en tout cas. Hein. Si vous le faites, bravo, mais continuez. Hein. C'est par rapport à l'hérédité. Il y a des choses à couper aussi. Hein. Une rentrée d'argent. La joie. Des gens qui sont vilains avec vous. Que ce soit en amour, professionnel, familial, relationnel, il y a des gens qui sont vilains avec vous. Méchants. Qui vous trahissent. Qui vous éclaboussent. Regardez comme c'est éclaboussé là. Qui vous éclaboussent, qui vous critiquent, qui parlent dans votre dos. C'est pas grave. Vous, vous allez évoluer, soyez jaloux et jalouse. Soyez pas focus sur le temps. Il y a un temps pour tout dans la vie. Regardez les marches d'escalier, il y en a qui vont déménager. Vous allez évoluer. Vous prenez en maturité aussi. Il n'y a pas d'âge pour ça. Ici, c'est un bébé. Ici, il est moyen. Ici, il est plus grand. Et ici, il est. Il ou elle est plus vieux. Il y a une mamie ou un papy. C'est pas grave, on s'en fiche. Et ici, vous avez les étapes de la vie. D'accord? Du singe, Cro-Magnon, nagnagna. Ils l'ont dessiné cette fresque, hein, d'accord? Il y a tellement de choses intéressantes en vérité, hein, derrière cette fresque-là, hein, d'accord? On a les chiffres, Pythagore, on a plein de choses là. Moi, je vois un 4, construction, un 1, on démarre quelque chose. Le 3, la joie, la fête, je pourrais en dire des choses. Ouais, je vois une chaise, on va se poser. Ah, il y en a une en face, il y a deux chaises. Vous allez négocier, d'autres, vous allez rencontrer quelqu'un. D'autres, vous êtes avec la bonne personne aussi. Hein. J'ai un fer de cheval. Il y a des livres, des escaliers. On va franchir des barrières. On va évoluer. Vous voyez? On va monter de marche en marche. Et puis aussi, vous allez évoluer en sagesse. Il y a quelqu'un de sage aussi qui vous aide à cette évolution. Parce que j'ai un papy de mamie, mais ça peut être quelqu'un même, voilà, de sage. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous avez vraiment cette évolution pour cette construction, vous voyez? De palier en palier, de marche en marche pour arriver au palier avec le temps. Trop de temps. Vous étiez dans de l'instabilisation. On vous déstabilisait, je dirais même. On vous a déstabilisé. Et vous, vous vous rendez malade facilement. Vous vous déréglez psychologiquement en vous accusant. Et il y a des accusations.
Il y en a qui sont en justice. La naissance d'une nouvelle maison, il y aura la signature. Hein. Bon retour, hein, d'accord? Bon retour, le cadeau du divin. Le cadeau du divin. Parlez pas, gardez pour vous. Les gens, ils sont jaloux, mauvais. Vaut mieux vivre heureux, ne rien dire. Pour vivre heureux, vivons cachés. Donc, ne disez rien. Cachés, cachés, cachés. Et là, il y a des belles choses qui arrivent. Moi, je vous le dis. Il y a l'amour qui arrive. Pour moi, c'est vous, hein. L'ouverture à l'amour, en plus. Les contrats, regardez-moi ça, que du positif. Maintenant, j'ai l'homme. Bon, j'ai les deux, tant mieux. La fin. La fin, c'est terminé. Terminé avec quelque chose ou quelqu'un. La vitalité, la sexualité, projection, miroir magique. Je vais arrêter là. Fini la culpabilité. Fini qu'on vous culpabilise. C'est juste d'examiner quelque chose et de trouver. D'aller à la glaner, d'aller à la pêche aux infos, vous voyez? De faire le job aussi pour obtenir quelque chose. Certains, vous voyez, ils lancent leur toc, ils ont réussi leur examen, ils font « Hourra !»« Hourra, ça y est, c'est fini !» Et puis demain, ils vont... Plus tard, ils vont se dire « Ah, on était bien » ou « Nostalgique, ça dépend, vous voyez ?» C'est ça le retour, c'est la victoire. Vous avez une bonne réponse là qui arrive. Un bon verdict, une bonne réponse. Bon. Vous allez vous élever, mes chéris. Tel, c'est le, comme cette montgolfière. Ah ouais, vous avez souffert, mon Dieu. Vous êtes pris des coups, dans, des claques dans la figure. Vous avez jonglé. Ça n'a pas été facile avec la vie et les gens. Ils n'ont pas été tendres avec vous, mais doucement, mais sûrement, n'empêche. Comme ça, vous, vous glissez pas et vous cassez pas les fesses. Vous cassez pas la... Elle est morte de rire, ma fille. Vous cassez pas... Vous cassez pas le coccyx. Vous glissez pas. C'est ça que je veux dire. Vous allez doucement, mais sûrement. Ça va être pérenne, c'est ça que je veux dire. Pérenne dans le temps. Vous ne cassez pas les fesses. Elle est morte de rire. Ben oui. Eh ben c'est bien, on était comme ça, on est comme ça. Vous êtes fait du mal aussi, hein, par les pensées négatives, d'accord? Vous avez ressassé, ruminé, et vous êtes fait du mal à l'intérieur de vous, au niveau du plexus solaire, au niveau de... chakra sacré, vous m'avez un peu détériorisé, enfin détérioré un petit peu à l'intérieur, hein, d'accord, et le cœur aussi, hein. Bon, vous, elle est à l'envers, vous sortez des ruinations, vous sortez des la solitude. De cette incapacité, vous voyez, à réagir parce que on vous a fisté. Terminé. Terminado. On va vers le 9 de coupe. Vous allez vers le bonheur. D'accord? Oula, tout ça. De toute façon, vous allez vers l'amour, mes chéris. L'amour, l'amour, l'amour. Vous allez soit rencontrer une nouvelle personne, soit vous allez me faire quelque chose, un nouveau emploi que vous allez aimer ou vous mettre à votre compte. Soit vous allez quelque part où vous allez aimer. C'est vous, quoi. C'est, ça vous ressemble, c'est vous à 100%. Alors, bon, pour l'instant, on est comme ça, c'est pour certains et certaines de vous. Hop, on va déstructurer pour reconstruire comme il se doit. On ne laissera même pas une petite miette. Table rase, on redémarre à zéro. Et puis, on est roi d'épée. Le roi d'épée, lui, il y a quelque chose d'officiel, il y a des signatures, d'accord?
C'est aussi la justice, hein, la justice divine par rapport à l'injustice, hein, d'accord? C'est aussi, il est serein lui, hein, d'accord? Il doit faire un choix, ce choix, il va le faire, il est assis, il réfléchit encore un petit peu, il a son épée tranquillou, même les oiseaux n'ont pas peur de son épée. Il l'accompagne, au contraire, la chouette, hein, elle l'aide dans l'invisible, puisque vous êtes aidé, vous êtes accompagné. Et même le corbeau, hein, il est sage, il dit rien, il attend qu'il se décide, hein, la chauve-souris, tout ce que vous voulez. Donc, il attend qu'il se décide et qu'il prenne sa décision. Hein. Des jolies fleurs, comme quoi qu'il n'est pas mauvais, lui, hein, d'accord? Et il va trancher intelligemment. D'accord? Et il va choisir, c'est pour ça qu'ils vous ont mis des fleurs, des champignons colorés, des fleurs. Il va choisir le bonheur. Vous allez avoir une opportunité, c'est pour ça que vous avez ce fou. Le fou, le mât. D'accord? Le fou, le mât. Il y a une opportunité à saisir, mes amis, hein, d'accord? Et à quitter cette pauvreté, ce manque. Alors, ce manque, ça peut être un manque au niveau d'un bien. Par exemple, si réellement vous avez besoin d'une voiture pour travailler, pour les courses, pour sortir même, hein, eh bien, vous l'aurez. Si vous avez besoin d'un autre appartement, d'une autre maison, vous l'aurez. Si vous avez besoin de vendre, vous l'aurez. Si vous avez besoin en location ou un local ou louer, vous l'aurez tout ça. Il y a une opportunité, un autre travail, vous l'aurez. Vous allez sur une bonne voie, d'accord? Vous ne vous trompez pas de voie. Vous allez sur une bonne voie, hein, d'accord? Regardez-moi si je suis jaloux là. Pas grave. Tempérez-vous. Vous allez vers le bonheur. Regardez-moi ce couple divin. Et si vous êtes célibataire et que vous n'êtes pas en couple ou que vous n'avez pas d'enfant, peu importe. Les enfants, c'est la joie, c'est le bonheur. Et il y a quand même quelqu'un qui vous accompagne. Alors moi, je dirais à une relation, vous êtes relié. Et si vous êtes seul, l'équilibre. Magnifique. Elle a pris... Le bâton, qui c'est qui est là? Qui c'est qui est là? Cette pétillante reine de dragon. Vous reprenez votre place, votre souveraineté, votre force, d'accord? Tout ce qui est énigmatique, tout ce qui est magnétique d'ailleurs. Elle est puissante, d'accord? Vous reprenez tout ça et vous allez vers quoi? Mais incroyable, mais vrai. Incroyable, mais vrai. Vers quoi, s'il vous plaît? Dites-le avec moi. Le monde vous appartient, mes chéris. D'accord? Elle était là. On a commencé. Le monde. Regardez, on a deux fois le monde. Hein, d'accord? Deux fois le monde. Il y a un choix à faire pour certains. Pour certains, vous allez faire un choix. Je ne veux plus vivre ça. Je ne veux plus être entravé. D'accord? Je ne veux plus de ce passé-là. Je ne veux plus de ces coups-là. De ces coups bas aussi. De ces trahisons. C'est la fin. C'est la fin d'un cycle mauvais. D'accord? Pour certains, vous allez vers une belle voie. Alors, moi, je ne vous parle pas pour ceux que ça va. Hein, attention. Hein. Ça reste une générale. Ce n'est pas comme quand je vous ai en consultation. Il n'y a que vous et moi et vos énergies. Hein, d'accord, ça c'est pas pareil. Si ça ne vous parle pas, ça parle à quelqu'un d'autre. C'est pour quelqu'un d'autre. Il y aura d'autres vidéos, c'est pas grave. Et vous avez d'autres vidéos valables là jusqu'au 2, il me semble. 2 juin là, il me semble. Bon, allez, on tient bon. De toute façon, vous n'avez pas le choix. C'est bientôt. Tempérance. Et on y croit. Et arrêtez de me dire, par exemple, j'espère. Arrêtez d'espérer, j'espère. Soyez dans l'action. L'action. Allez, on déroule cette pelote de laine
ou cette pelote de fil de coton. On déroule, et elle était emmêlée d'ailleurs, emmêlée dans tous les sens là. On déroule, et là, c'est joyau. C'est la renaissance. Sentimental. La chance. La chance vous sourit. Les divertissements. Vous allez penser à vous. Vous allez vous faire beau, belle. Pour vous, bien sûr. Mais pour les autres aussi. Quand vous faites beau pour vous, vous êtes beau pour les autres. Ou belle pour vous, vous êtes belle pour les autres. Bon. Être à l'écoute de soi, dans le mois à venir. Donc mai, juin, mais je dirais même juillet, moi. Juillet, août. Mais soyez aussi la spiritualité, faites-vous du bien, vous avez besoin de repos, de changement, de divertissement. C'est la lune, hein, d'accord? La lune, hein, elle est là, la lune. Hein. Donc vous avez besoin, mais vous avez vos étoiles, hein, d'accord? Donc là, c'est le printemps, on vous parle de Bélier, Taureau, Gémeaux, on ne sait jamais. Mais on vous parle de, comment dire, de renaissance ici, de nouveau départ, hein, d'accord? De vitalité, hein, d'accord? C'est super beau, hein? Divertissement, une invitation à venir, âme sœur, on vous parle, hein, d'accord? On vous parle de quelqu'un de bien, hein? Alors, peut-être que certains, vous ne voyez pas venir cette personne parce que vous vous dites, je ne vois pas du tout. Bien sûr que le choix vous revient toujours, hein, si vous avez envie ou pas, si vous vous sentez prêt ou prête ou pas. Parce que des fois, on a des choses à terminer avant de penser à l'amour, ça arrive. Mais là, certains, bah, feront le choix. Vous êtes très, très, c'est attractif, hein. Ça va être caliente. Et certains, vous allez dire oui, en tout cas. D'accord? Au niveau de mes célibataires. Pour d'autres qui est, pour vous qui êtes en couple, là, vous allez exprimer à votre partenaire. Il y aura beaucoup d'attirance quand même. Bon, ça se passe bien ici. On peut parler de mariage, hein, il y a la chance, hein. Fiançailles, vie commune, de voyage, un projet ensemble, d'accord? Grossesse, naissance et tout. Félicitations. On vous parle aussi, pour ceux qui sont en couple, tu es en présence de ton âme sœur. Et pour mes célibataires, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est à vous de choisir, hein, si vous êtes prêt ou pas. Certains, oui. Parce que là, on peut rencontrer une belle personne, sortir, être invité. Vous avez la chance qu'il vous accompagne. Il y a l'attraction, hein, d'accord? Mais tout en étant prudent, prudente, vous allez penser à vous, hein. Vous allez vous privilégier, hein. Vous allez aussi utiliser les leçons de la vie, hein, d'accord? Et c'est le printemps, c'est bon, on l'a pas eu le printemps, combien le 27 mai, ça s'arrête le 20 juin, on aura peut-être une fin de printemps. Bon, je parle de renaissance ici, un nouveau départ, hein, d'accord? Vous avez un nouveau départ, mes chéris. J'adore, 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 hein, d'accord? Certains, vous me lâchez, balayez le passé, balance, scorpion, sagittaire, ça vous parle, mes sagittaires. De toute façon, le passé, vous savez comment il était, le passé, c'était on-off, c'était quelqu'un qui n'était pas stable, qui vous déstabilisait, c'était une situation instable, c'était pas bon, c'est tout. On n'était pas sur la même longueur d'onde, ça ne nous allait pas. Cancer, Lion, Vierge, cet été, summer, atmosphère chaleureuse et détendue, ça peut être ça aussi, la fin du printemps, je vous le disais. Ça peut être la fin de l'été aussi, hein, d'accord, mes chéris, hein, pour certains de vous. Le timing du divin. Il faut rester patient, patiente. Bientôt, bientôt. Chacun, on est servi, chacun notre tour. On a le karma. On a la relation, le lien karmique. Bénédiction. Succès, triomphe. Tous les espoirs sont permis, bénédiction, mes chers Sagittaires, hein, d'accord? La fidélité, la loyauté, la sincérité, hein, d'accord? Et là, fini les épreuves. Fini. Ah ouais, vous avez eu des épreuves. Hein. Oh, pas que en amour. Mais vous dites, ciao, on vient vers la stabilité ici, d'accord? Fidélité, stabilité, relation stable qui dure dans le temps.
L'univers vous a un peu testé aussi, hein. Vous a envoyé un peu des pourris, on va le dire ça comme ça, entre guillemets, des toxiques, pour voir votre réaction aussi un petit peu. Pour voir que est-ce que vous allez vous laisser faire? Est-ce que ça y est, vous allez vous affranchir de vos peurs? Est-ce que aussi vous allez vous affirmer? Il y a besoin de comment vous dire? Vous n'aimez pas être manipulé et qui aime l'être, hein? Bon, sadomaso, oui. Mais vous n'aimez pas être manipulé et non plus par la hiérarchie ou un responsable ou une. Hein. Ou alors en couple, hein, vous voyez, ou alors par la famille, ou peu importe, hein, les relations, comment on appelle ça, relations amicales, ou peu importe dans la vie, en général, d'accord? Donc, et vous non plus ne manipulez pas. Mais ne vous laissez plus manipuler aussi par vos pensées négatives. D'accord? On reprend du poil de la bête, du positif, de la foi. Let's go. Bon, bah, je ne sais pas si ça vous a parlé, mes Sagittaires. Mais s'il vous plaît, si ça vous a parlé, merci de l'écrire en commentaire. Et puis, je ne sais pas trop le titre, mais comme je vois qu'il y a du changement, de la nouveauté, de la chance, enfin, il y a de la réalisation, il y a du succès, il y a de la victoire. J'ai ici des opportunités, des propositions. Déployez vos ailes, mes amis. On vous dit, affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Arrêtez de broyer du noir. Arrêtez, soyez dans la lumière divine, dans l'amour. Et ça ira bien, vous êtes protégés. Même les vilains, là, que je vous ai dit, les toxiques, les pourris, les toxiques, là. Vous allez me dégager tout ça. De toute façon, il y a une ouverture ici, hein, d'accord? Et puis des fleurs, hein, regardez-moi ça, ces fleurs. Regardez, c'est la spiritualité, le violet, hein. Même là, il y a du violet autour. La spiritualité dans l'invisible, il y a une ouverture qui arrive vers vous, une opportunité encore une fois à saisir. Il y a vraiment la renaissance. On ouvre la fenêtre, on respire un bon bol d'air. On inspire les bonnes énergies. Et à l'extérieur, vous m'ouvrez cette fenêtre. Vous m'expirez. Expirez-moi tout ce qui est négatif. Faites-moi ça dehors ou sur votre balcon ou au rebord de fenêtre. Ouvrez-moi bien ça. Ouvrez votre cœur. Voilà. Et puis, vous allez vers une guérison de toute façon. Donc, attention, la guérison et l'abondance, hein, n'oubliez pas, parce que ça, c'est l'abondance, la liberté et l'abondance. Voilà, elle a toute la place pour déployer ses ailes, hein, d'accord? Toute la place. Hein. Donc, regardez-moi ça, là. Regardez-moi ça, la quantique, là. C'est Métatron et tout, ça. Dans l'invisible, on vous aide, hein, vous inquiétez pas. Elle joue avec ce cerceau, hein. Elle n'est pas emprisonnée. Hein. Elle a un pied dessus et un pied sur dans l'air, mais elle ne va pas tomber. Elle monte. Vous allez évoluer, vous. Hein. Il va y avoir une réalisation hein, qui va se faire un grand oui. Ça y est, vous me sortez d'une ère, hein, je vous dis, d'une période. C'est un nouveau cycle. C'est une porte qui s'ouvre à vous. Une nouvelle porte de la destinée. Bon, allez, je vous embrasse. Si vous avez besoin de consultation avec moi, n'hésitez pas. Vous avez tout sur mon site natinatura.com. Et si vous avez besoin d'un photographe, Nicolas, qui est un de mes abonnés et habitué en consultation, vous avez son site en dessous. Lui, il est spécialisé dans les mariages. Mais il est à Mons, je sais qu'il y a un périmètre parce qu'il va quand même dans le nord de la France. Après, il faut s'arranger avec lui et dans les grossesses. Donc, il photographie les femmes enceintes avec
leur partenaire, elle rigole, ma fille. C'est parce que il y a des images. Après, ça plaît pas. Les gens, ils font ce qu'ils veulent. De toute façon, lui, il vous impose pas. Hein. C'est les gens qui disent, moi, je veux du rouge, moi, je veux du vert, je veux du jaune, je veux du presque la même couleur que. En vérité, je pensais que c'était cette couleur-là. C'est finalement jaune. Qu'est-ce que je voulais dire? Du vert, du bleu, chacun ses goûts, hein. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Hein. Ça se discute pas, hein. On fait ce qu'on veut dans la vie. Hein. Voilà. Merci pour tout, mes Sagittaires. Je vous embrasse très très fort. Je vous envoie beaucoup de force. Allez, les Sagittaires, je suis derrière vous. Mes Sagis, d'accord? Allez, je vous embrasse. À bientôt. Bisous.